Il est 7h42. France Inter. Patrick Cohen. Le 7-9. La baisse du budget de la culture était donc une erreur, dit Manuel Valls, qui invente, et c'est nouveau, le droit d'inventaire en cours de quinquennat et qui donne raison, dit-elle, vous l'avez entendu dans le journal, à l'ancienne ministre Aurélie Filippetti. Moi, je me suis battue pendant 2 ans pour lutter contre cette baisse du budget, pour essayer d'expliquer que cette baisse du budget allait avoir des conséquences néfastes pour notre pays. J'étais un peu seule à prêcher dans le désert à cette époque. À cette époque, mais... À cette époque, elle disait quoi publiquement Aurélie Filippetti ? France Inter, le 11 septembre 2012. Bonjour, c'est l'heure des grandes économies. Certains ministres plus zélés que d'autres. Aurélie Filippetti à la culture tire un trait sur plusieurs projets. Il y en a pour 1 milliard. Mais je pense qu'il est important de montrer que le ministère de la culture participe aussi à l'effort. Et on a trop assimilé la culture forcément à la dépense. Et toujours aussi côté strass et paillettes. Moi, je veux montrer que la culture, c'est de l'économie. C'est au cœur de l'économie. Mais... on doit participer aussi, comme les autres ministères, à l'effort. On a trop assimilé la culture à la dépense, Aurélie Filippetti, en septembre 2012.